La pyramide symbolise à merveille l'ascension vers le sommet. Le chemin du succès en compétition, minutieusement planifié, passe par une période de préparation générale et une période de préparation spécifique. La période de préparation générale se compose d'une phase dite extensive, suivie d'une phase intensive. La période de préparation spécifique de la compétition constitue la phase explosive du développement de la forme sportive. Selon l'objectif visé, ces trois phases sont divisées en étapes ou mésocycles d'un mois environ, à leur tour composés de 3 à 4 microcycles d'une semaine. Chaque étape est caractérisée par une dynamique de charge progressive ou dégressive. Le dernier microcycle de chaque étape est réservé à la récupération active. Les tests de performance réalisés durant cette semaine permettent une conduite efficace du processus d'entraînement. Commençons par la phase extensive. L'entraînement de la technique consiste en premier lieu à acquérir une structure stable, sorte d'invariante du programme gestuel de base. La parfaite maîtrise du corps s'exprime à travers la faculté de différenciation dans le respect des lois de l'équilibre et de la fluidité du mouvement, et cela même sur une surface d'appui étroite. L'imitation du sursaut rasant, réalisé de chaque côté, contribue à la stabilisation de l'équilibre. La réalisation ralentie et alternative de l'action de poussée en direction de la jambe de blocage favorise et améliore la représentation mentale du mouvement. L'exécution inverse, jambe de blocage droite, bras gauche, contribue également au développement et au renforcement d'autres capacités, telles que la concentration, la différenciation et l'orientation. L'engagement d'une barre d'haltérophilie favorise la mise sous tension des chaînes musculaires. Le renforcement des qualités d'orientation et de différenciation contribue en plus à la stabilisation de l'équilibre. La projection de ballon lourd vise à accentuer la dynamique du mouvement de lancer. Des conditions d'équilibre plus précaires contribuent à la transmission optimale des forces sur l'engin. Après avoir stabilisé la structure gestuelle de base, il s'agit d'élaborer la structure rythmique. Le rythme n'est rien d'autre que la personnalisation de la technique. Le même rythme peut s'exprimer dans des conditions spatio-temporelles différentes. Structure stable et forme flexible, telle est la devise d'une bonne variation sur un thème donné. La maîtrise répétée du déséquilibre lié à la précision de lancer sur un objectif placé sur la paroi est en réalité le signe de l'excellence technique. L'équilibre constitue également le fil conducteur de l'entraînement de la force. Renforcer les agonistes et les antagonistes. Pas de renforcement sans étirement. Des muscles préalablement fatigués s'étirent mieux. L'étirement des antagonistes favorise le renforcement des agonistes. L'utilisation méthodique de ces principes d'entraînement est illustrée par deux exercices fondamentaux. Le squat, ou flexion des jambes, et le développé couché. Ici, étirement de l'antagoniste, fléchisseur du genou. Puis, renforcement de l'agoniste, extenseur du genou. Des exercices complémentaires, ayant pour but une pré- ou post-fatigue, renforce efficacement l'action de l'exercice principal. Ici,
étirement de l'extenseur du genou, préalablement fatigué, puis renforcement des fléchisseurs du genou. Retour à l'exercice initial, au début d'une nouvelle série. Les mêmes principes méthodologiques sont appliqués pour le renforcement de la musculature des bras et des épaules. L'athlète effectue 2 à 6 séries de 10 répétitions maximales par exercice. C'est l'épuisement local des muscles qui favorise le développement de la section musculaire. Durant la phase d'entraînement extensive, le renforcement musculaire général vise au développement harmonieux des forces agissant sur l'appareil locomoteur passif. Parallèlement à ces exercices de base, d'autres fonctions musculaires peuvent être judicieusement entraînées. Les mêmes objectifs sont valables pour le développement des qualités dynamiques de l'athlète. Au moyen de sauts variés, il s'efforce d'améliorer la coordination gestuelle, où le rythme et l'équilibre dynamique constituent des arguments incontournables. L'exécution des exercices à pieds nus, sur des tapis mous, revêt un aspect prophylactique intéressant, avant les sollicitations plus importantes des prochaines phases d'entraînement. Durant la phase intensive, le renforcement spécifique prend une place prépondérante dans l'entraînement technique du lanceur. Parallèlement aux nombreuses répétitions du geste technique classique, des exercices complémentaires, ici avec l'aide d'une barre d'haltérophilie, optimisent l'alternance rythmée des phases de tension et de relâchement musculaire.
Une autre possibilité de variation judicieuse consiste à lancer des poids plus ou moins lourds de 10 à 15% du poids de compétition. Cette méthode dite variable permet d'obtenir des effets remarquables. À l'image du perchiste, qui se propulse horizontalement dans sa perche, le lanceur propulse son côté droit en direction de son côté gauche pour y emmagasiner le maximum d'énergie disponible pour l'explosion. Durant cette phase d'entraînement, une grande attention est portée sur la variation des différents types d'actions musculaires. Entre les formes classiques, concentriques, excentriques et isométriques, des formes mixtes, plus subtiles, dites pliométriques et statodynamiques, prennent toujours plus d'importance en prévision de l'entraînement de la puissance spécifique. Grâce à un système pneumatique permettant une variation de la charge, l'athlète effectue des efforts de type excentrique ou en freinage avec une charge supérieure à celle de l'effort de remontée de type concentrique. La série suivante est réservée à l'effort de type pliométrique ou réactif, réalisé avec une charge moyenne. L'alternance se poursuit par un effort isométrique ou statique, maintenu jusqu'à épuisement local, avec une charge submaximale. La série se termine par un effort de type statodynamique, combinaison des régimes isométriques et concentriques. Cette forme de travail, réalisée avec une charge moyenne, est particulièrement efficace lorsqu'elle est appliquée à partir d'un angle des genoux spécifique de la discipline sportive. Le même principe d'alternance des régimes d'action musculaire est réalisé pour le développé couché. Comme pour le renforcement des jambes, des pauses de 5 minutes au minimum doivent être respectées entre les différentes formes de travail. Le renforcement multiforme orienté, particulièrement important dans les disciplines athlétiques, consiste à transformer la force générale acquise en puissance spécifique. Ce type de renforcement, privilégiant les qualités de coordination, ne doit pas être réservé aux seuls athlètes d'élite. Il représente une forme d'entraînement idéale pour les jeunes.
un entraînement bien conçu de la force et de la puissance multiforme orientée poursuit deux objectifs principaux. La sollicitation des différents régimes d'action musculaire . Le choix d'exercices visant à développer les qualités de puissance et d'explosivité musculaire dans les différentes directions de propulsion ou d'impulsion de son propre corps ou d'un engin. La dernière phase de la construction de la forme sportive est réservée à l'entraînement spécifique. La sollicitation extrême de ce type d'entraînement exige qu'il soit réalisé dans les meilleures conditions. Sous l'œil complice de la caméra, athlète et entraîneur corrigent les dernières imperfections techniques. Links zocken, linken Arm, bleib ganz block, die ganz linke Seite bleibt und dann. Durant cette période de pré-compétition, la vitesse d'exécution est principalement améliorée par des lancers avec des poids allégés d'environ 10%. Links bis schnell, sehr schnell, und davon. Und ohne was nicht zu machen, ist gut. Was ist?
ganz typisch schlecht. Linke Bein in der Luft, gesetzt und du warst schon hier. Dann hast du unten durch. Das war also was ganz anderes. Une attention particulière est portée sur le développement de la force maximale par l'amélioration de la coordination intra- et intermusculaire. C'est le déplacement explosif de charge maximale qui facilite le recrutement synchronisé d'un maximum de fibres musculaires ou d'unités motrices. Les groupes musculaires déterminant la performance au lancer du poids sont entraînés avec des charges permettant 3 à 5 répétitions maximales. Taquiner à chaque entraînement les limites du possible exige une grande concentration et une force mentale extraordinaire. Une surveillance attentive élimine pratiquement tout risque d'accident. Les exercices plus complexes, tels que les épaulés, les jetés ou les arrachés, occupent une place prépondérante dans un programme de musculation. Avec l'épaulé jeté, réalisé sans temps d'arrêt, l'athlète reproduit et renforce le type d'impulsion propre au lancer du poids. Force explosive entraînée par des exercices de lancer du poids en avant et en arrière peut être exécutée en alternance avec des exercices de musculation à charge maximale ou submaximale ou tout simplement durant des séances isolées. Pour améliorer cette qualité primordiale, les diverses formes de lancer sont exécutées dans un seul but, lancer plus fort, lancer plus loin,
avec le verdict sans merci du ruban métrique. Gut. Il en va de même des diverses formes de bondissement réalisées sous la pression du chronomètre, seul moyen de raccourcir encore et encore les temps de contact au sol. Il y a mieux, ça. Ultime exercice de souplesse, de relâchement au rythme du coureur de haies, avant de goûter au rythme des vagues de l'océan et d'accéder au plaisir et à la détente des jeux de plage. Enfin, la compétition. L'heure de vérité, concrétisation de tant d'efforts minutieusement planifiés. L'athlète s'efforce de faire converger toutes ses forces physiques et mentales derrière cette sphère de 7,25 kg, comme ici, lors du record du monde en salle, qu'il s'agira d'analyser afin de préparer les prochains succès. Les positions clés du lancer sont imprimées et comparées à un modèle de référence construit sur la base de données biomécaniques. La perception de l'athlète, l'observation de l'entraîneur et l'œil de la caméra permettent d'affiner d'entraînement en entraînement, de compétition en compétition, d'année en année, l'efficacité du geste à la recherche de l'excellence. L'héritage de 12 ans d'entraînement et de compétition au plus haut niveau constitue un capital d'expérience extraordinaire, une grande chance et un véritable défi pour toute une génération de jeunes athlètes. C'est à toi, Werner, qu'il appartient d'écrire le prochain chapitre. Ton entraîneur et ami, Jean-Pierre Héguerre.